Bud La Boule, ce vendredi, les meilleurs kitesurfeurs du monde ont rendez-vous pour 3 jours de compétition comptant pour le championnat du monde. 3 jours durant lesquels 60 participants vont s'affronter sur des compétitions au large, en vitesse ou en freestyle. Alexandre, lui, est champion du monde de vitesse. Il faut être le plus polyvalent possible. Et du coup, moi, ma spécialité, c'est quand même plutôt la longue distance. Parce que je pratique la vitesse en compétition. Mais le freestyle, j'en fais aussi pour mon plaisir personnel. Donc ça va. Là, pour l'instant, j'ai passé le premier tour. On va voir ce que ça donne au deuxième tour. Parmi les autres concurrents, des Baulois, bien sûr, des garçons et des filles. C'est une compétition plutôt amicale qu'on a essayé de créer en 2004. C'était plus pour la bonne ambiance, pour faire la fête et puis aussi pour naviguer entre riders. C'est une compétition où il y a autant des kitesurfers au niveau qui font des championnats du monde, championnats de France, mais à côté de ça, il y a énormément de kitesurfers locaux. Donc c'est vrai que l'ambiance est sympathique. Le kitesurf est en pleine ascension, il compte aujourd'hui plus de 10 000 adeptes rien qu'en France.